J'ai reçu hier une paire que j'attendais depuis des années. Une paire qui me fait rêver depuis que je suis gamin. Une paire qui, normalement, si tu t'y connais un peu en cinéma, t'a fait rêver. Je parle pas de la Mag, je parle de la Cortez qu'on voit dans le film Forrest Gump, qui, en fait, à un moment donné, Forrest met comme ça devant la caméra, qui a été rendu très célèbre évidemment par le court Forrest Court. Bon, on veut un box. Hein. Donc, si t'as suivi, enfin, si tu me suis sur Instagram, t'as bien vu que le packaging là est très beau déjà. Tout est soigné, tout est magnifique. On a une petite carte postale. Donc, c'est une paire de 72. Le film est sorti, je crois, si je dis pas de conneries, en 92. Film réalisé par Robert Zemeckis. Robert Zemeckis qui avait mis en avant la Mag dans Retour vers le futur 2. Et là, Mag Bruine dans Retour vers le futur 1. Donc là, j'ai très très peur de niquer l'emballage en fait. C'était tellement joli. Par contre. La paire sans le pétrole. Ça, putain, ça me casse les couilles, sérieux. C'est une tentative d'assassinat. Je vois pas d'autre. Ah, il y a deux emballages. Ah, je vais pouvoir enlever celui-là. Attends, est-ce que je peux pas sortir le tiroir hein? Eh, frère. Ah. C'est la première fois que je la sors, hein. Je ne l'ai pas sortie depuis hier, j'ai attendu la vidéo. Et donc, nous sommes sur un putain de classique. Putain, si j'avais fait une vidéo des paires hockey pour l'été, je pense il y aurait eu que celle-là. Hein. Et par contre, la paire pue. Elle sent là. Tu vois quand tu rentres dans une concession automobile, l'odeur, quand tu rentres chez ton concessionnaire BMW, chez lequel tu ne pourras jamais acheter de voiture parce que tu es beaucoup trop pauvre, espèce de smicard, et ben c'est exactement ce que ça sent. Ça sent la voiture neuve, ça pue, la voiture que tu laisses ouverte dans ton jardin 3 jours parce que enfin, franchement ça pue. Par contre, si je dis pas de conneries, je crois que c'était en daim ici dans le film. Je crois qu'ici c'était du daim dans Forrest Gump, je suis pas sûr. Si vous n'avez pas vu le film, voyez-le, c'est très très important, c'est un excellent film. Alors contrairement. La dernière fois, déjà, les lacets ne sont pas faits. Par contre, elle sent pas la concession. C'est que elle. Elle sent le neuf. Elle sent le rien. Sent le vide. C'est, je pense, c'est tous les articles, etc. qui ont été. Enfin, c'était toute la pub, en fait. Merde. Que Nike avait mis en. Ouais, c'est ça. Hein. Ou alors, je sais pas. Ça se trouve, c'est un nouveau. Ah! Ça rentre pas. Bah non, je suis con. Ça t'ouvre la boîte, tu vois ça, bing bing. Nylon Cortez. Bah, sauf que ça, c'est du cuir en fait. Ouais, donc je pense que c'est toutes les pubs, etc. qui sont faites autour de la Cortez. Parce que ça c'est. Enfin là vous voyez pas, mais enfin, ça en gros ça c'est du. Ça c'est du Nike ça, donc c'est la police de chez Nike, etc. Donc ouais, je pense que toutes les pubs qu'ils ont fait pour la Cortez depuis le départ. Ou sinon j'en sais rien, en fait peut-être juste n'importe quoi. Apparemment toujours les finitions un peu bof. Sur celle-là. Souvent au niveau de la semelle que ça merde chez Nike. Ils ont du mal à coller, je pense, je sais pas, peut-être ils sont en embrouille avec avec le mec qui colle. Je peux pas enlever la semelle, mais ils ont mis une semelle spéciale. Donc vraiment cool. Ils ont vraiment, se sont vraiment appliqués pour sortir ça. C'est cool. Ça change, putain, ça change d'être Jordan de merde qui pue que t'es obligé de sortir 3 jours dehors là. Ou même si là, je sais pas si on va voir, mais putain, c'est tout craquelé là, c'est usé.
Si je mets comme ça, normalement on va. Je sais pas, c'est bizarre. Bref. Et je me rends compte que je tourne avec l'effet jouet depuis tout à l'heure. J'espère que ça rendra bien l'écran. Bah tiens, dites-moi si vous avez, ce que vous avez pensé de cet effet jouet de cette vidéo. Puis bah c'est tout. A plus dans le bus.